Et donc ce soir, on est très, très heureux d'avoir Vincent Leport, que moi personnellement j'ai découvert, comme je pense beaucoup de monde, par le film Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. J'avais découvert au festival de Cannes, à la semaine de la critique, et puis il y avait un accueil qui avait été assez très positif, même dans mon souvenir de la presse, et puis même à la sortie de la projection, j'ai l'impression que c'est un film qui avait marqué, donc on l'attendait impatiemment. Et on a communiqué, puis on est très heureux aujourd'hui de parler du film, et pas que. C'est pour ça que les premières questions, je me dis toujours, on se voit, on se tutoie. Bon, je préfère tutoyer. On se tutoie, ouais. Moi, je te connais pas trop, et même ton parcours, c'est ça qui m'intéresse. Mais la première question que je pose, c'est là, dernièrement, au cinéma, quel est le dernier film qui t'a marqué ou qui a été important pour toi qui résonne encore. J'ai vu beaucoup de bons films cette année. Franchement, il y a deux jours, j'ai vu Asbestas, que j'ai trouvé vraiment bien. Sorogoyen. Ouais. C'était le premier film que je voyais de Sorogoyen, et il y a des petites choses que je trouve un peu en dessous, mais vraiment ça m'a marqué. Je trouvais ça très 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 fort. Et cette année, non, j'ai vu plein de super films. Seuil Libre de Laure Portier, que j'ai trouvé magnifique. Enquête sur un scandale d'État, comme un peu tout le monde, j'ai l'impression. De Thierry de Peretti. Vortex, ouais. Vortex, quand même. De Gaspard, ouais, Gaspard Noé. Beaucoup plus aussi. Le Grand Mouvement de Quirro Russo, le film bolivien, qui était assez dingue aussi. Non, j'ai vu beaucoup de bons films, des films que j'aime moins, mais que je trouve quand même plaisants. Je sais pas, It's the Road ou Red Rocket. Je sais pas, cette année, je trouve que. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de films à la suite comme ça qui me touchent, m'interpellent. Enfin voilà. Et quand on a un peu échangé par mail, je t'ai demandé un premier souvenir de cinéma, une première image de cinéma. Alors c'était assez étonnant parce que tu m'as envoyé une photo en pièce jointe et c'était Jurassic Park. Alors vas-y, sois plus précis là-dessus. Je pense que j'avais peut-être vu d'autres films avant. C'est une scène précise, c'est-à-dire qu'il y a le personnage qui est dans la voiture et puis. La scène dans Jurassic Park, le premier, où le scientifique un peu méchant là, qui mange des donuts tout le temps, il se retrouve dans sa voiture et il y a le petit dinosaure qui sort sa collerette et qui va le tuer. Mmh. Et en fait, ce que je me rappelle vraiment, c'est que du coup, le dinosaure, il y a un gros plan sur le dinosaure qui fait ça avec une sorte d'oreille, Et j'étais avec ma mère, et ma mère a fait l'inverse. et moi, j'étais tétanisé, que j'avais 7 ans au cinéma. Jurassic Park, c'est vraiment impactant quand on a cet âge. Et vraiment, il y a eu ce double truc de ce qu'on voit à l'écran, ça fait un effet comme ça chez les gens. Enfin, il y avait quelque chose de... Et en même temps, moi, d'une sorte de petite fierté du petit garçon de 7 ans qui, lui, ne se cache pas les yeux quand sa mère à côté le fait. Enfin, voilà, il y avait un truc... C'est un peu le train de la Ciotat, mais toi, tu sais que le train ne rentre pas dans la salle, quoi. Tu t'arrives à mettre à distance... Ma mère, elle se protégeait vraiment du crachat du dinosaure. Enfin, voilà. Ouais, mais c'est la magie du cinéma aussi. C'est-à-dire qu'on joue peut-être à voir des choses qui nous font peur, en sachant qu'elles ne sont pas là, mais un moment, en rentrant dans cette fiction-là, et en réagissant vraiment, en faisant partie, en étant vraiment partie prenante du film. Toi, comment ça s'est construit, ton rapport au cinéma, et comment tu es arrivé, parce que tu as fait la Fémis, tu as réalisé pas mal de courts-métrages, on va y revenir, mais je ne sais pas, tes années collège, lycée, il y a eu des périodes comme ça, ou des rencontres avec peut-être des profs, des amis, qu'est-ce que ça a été le rituel un peu? Je ne viens pas du tout d'une famille... De cinéma, enfin mes parents, ma mère institut, mon père travaillait à France Télécom, enfin donc il n'y avait pas ça dans la famille, mais c'est moi petit au collège en fait, c'est encore une fois un gros film américain, c'était Matrix qui m'avait la bande annonce de Matrix m'avait énormément j'étais fasciné par ce truc, j'étais genre mais pareil j'avais 12 ou 13 ans et je me suis dit mais comment ils ont fait ces trucs, enfin il y avait vraiment juste un plaisir technique quoi. Donc ensuite j'avais acheté plein de revues qui annonçaient la sortie de Matrix, les coulisses du tournage, enfin voilà. Et en fait dans ces revues, et c'était plutôt Première, Studio, pas forcément des grandes revues cinéphiliques, mais malgré tout dedans ils peuvent parler de certains films de Kurosawa, de Bergman, enfin je découvrais d'un coup d'autres choses que justement les Jurassic Park, les gros films hollywoodiens que j'avais l'habitude de voir jusqu'à 12 ans quoi.
Et du coup, je me suis mis à aller à la médiathèque à côté de chez moi. Et toutes les semaines, je prenais, c'était encore des VHS, hein, rajeunis pas. Et du coup, je prenais chaque semaine genre 5-6 VHS et je regardais tout. En fonction de, bah de critiques. Un comédien ou non, des critiques plutôt. Critiques, et très vite aussi, je me suis mis à aller sur des forums sur Internet. Et je voyais des gens beaucoup plus âgés que moi, ou de mon âge, mais plus cultivés, avec une plus grande cinéphilie. Et du coup, j'avais un peu ce côté de gloutonnerie, quoi, de regarder tout et n'importe quoi. Et puis, pas tout et n'importe quoi, mais des films, des fois, je les regardais beaucoup trop jeunes, en fait. J'avais pas assez de vécu ou de... Mon regard n'était pas encore assez affûté pour regarder certains films. Je sais pas, Crier chuchotement à 12 ans, en fait... Oui, c'est jeune. C'est un peu trop jeune. Et en fait, quand je l'ai revu après, j'ai trouvé ça immense. Mais sur le moment, je trouvais ça affreux, quoi. Mais voilà, quand même, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai acheté une petite caméra. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages le week-end avec mes amis. Et... D'accord. Mais c'était ridicule, on avait 15 ans, on jouait des flics, des dealers, des super-héros. Enfin, voilà, c'était... Il m'en reste quelques-uns quand même. Ouais. Il faudrait que je les revoie. Et voilà, ça, j'ai fait comme ça ma petite éducation. Et puis, j'ai commencé très vite à toucher la caméra, à faire du montage. Enfin, je faisais tout moi-même sur ce genre de film. Donc, mais on apprend quand même des choses, quoi. En autodidacte comme ça, voilà. Très, très rapidement. Ouais. Et après, je me suis dit, mes parents, ils voulaient être rassurés, donc ils se sont dit, si tu veux faire du cinéma, fais une école sérieuse, machin. Ouais. Donc j'ai fait un BTS audiovisuel. J'ai eu la chance ensuite d'aller à la FEMIS, et là, c'est un peu plus professionnel. Quoi. Alors, la FEMIS, est-ce qu'on apprend tant de choses que ça à la FEMIS? À la FEMIS, on fait des rencontres, surtout. Par exemple, sur Bruno Rédal. La plupart des collaborateurs artistiques, techniques, c'est des gens que j'ai rencontrés à la FEMIS. J'ai l'impression que ça fonctionne par génération, par vague, par famille, quoi, par famille, ouais, par promo. Pendant 4 ans, on fait plein de films ensemble, on devient amis, et puis du coup... Je suis sorti en réalisation. Et quelle génération de réalisateurs? On est sorti en 2010 et dans ma promo, y a Vincent Cardona qui a fait un film qui s'appelle Les Magnétiques qui est sorti l'année dernière. Fait, ouais. C'est un très bon ami. On a même fait des films ensemble où il jouait. On se connaît vraiment bien. Et sinon, dans ceux qui ont fait des films qui seraient sortis en salle, je vois pas. On a été une promo un peu. On est un peu lent à faire nos films. D'accord. Mais beaucoup ont fait des courts-métrages. Mmh. Et en fait, à FEMIS, moi, j'ai rencontré des amis à qui on a créé une boîte de prod à la sortie de l'école. Et c'est ça aussi qui s'appelle Stank. Ouais. Donc, avec laquelle on produit nos propres films. Donc, par exemple, Bruno Rédal, on l'a produit en coproduction avec Capricci, mais il y a Stank qui fait partie des producteurs. Et dans cette boîte, on est 3-4 à l'avoir fondée, et l'idée c'était de se produire nous-mêmes, produire les autres et produire aussi des amis assez proches qu'on apprécie humainement et pour les projets qu'ils ont. Et on aime bien aussi tourner à différents postes, être assistant réal sur un film, décorateur sur un autre, monteur sur un autre. Et typiquement, par exemple, le monteur de Bruno Rédal, moi je produis ses films, il fait des documentaires. La monte-son, elle avait fait un moyen métrage aussi que j'avais produit. On essaye comme ça de tourner un peu à différents postes. C'était important pour vous d'avoir une boîte de prod pour pouvoir. C'était un gage d'indépendance. Pour arriver à faire ces films, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est beaucoup de travail parce que du coup, on se tape aussi tout le travail bureaucratique. Oui, voilà, tout ça. Enfin, il y a beaucoup. Chose un peu pénible, quoi. Et puis des fois, juste on a besoin de temps pour écrire, pour faire des repérages, parce que pour faire maturer ses films, et des fois avoir le travail sur plein d'autres projets, c'est un peu chronophage, et ça des fois on se disperse un peu. Mais voilà, il y a cette grande qualité d'être jamais seul. Déjà, le travail de cinéaste, de scénariste peut être assez solitaire, et des fois, beaucoup de gens que je connais se sentent vraiment. Ça leur manque cet esprit un peu d'équipe, le côté collectif. Donc ça c'est bien, on n'est jamais isolé. Et puis ça permet, dès qu'on a
une envie de film, de la concrétiser et de pas avoir à démarcher tous les producteurs de France et de Navarre en disant, en essayant de se vendre en plus, un truc que moi j'aime pas du tout faire. Du coup, quand on est sorti de l'école, je me suis dit, j'arriverai pas à me vendre, j'arriverai pas à pitcher mes films et à donner envie. C'est compliqué. Donc, créer sa société, ça permet, j'ai envie de faire mon film, je peux déposer aux aides qui existent pour avoir des sous et pour essayer de le faire avec des sous si on les trouve, et sinon on les fera sans sous. Mais vu qu'on est un collectif avec différents corps de métier, on peut faire des films avec quasiment rien, quoi. Et on peut mutualiser aussi les moyens de production, les salles de montage, les caméras, les optiques, tout ça. Donc voilà, dans la société, on a fait une trentaine de films, et il y a pas la moitié, mais un bon tiers, c'est des films qu'on va dire un peu sauvages, quoi. Fait avec très peu, voire pas d'argent, et puis avec... Même les gens sont bénévoles, quoi. Et ça permet ça, une structure comme la nôtre, de pouvoir alterner des projets plus classiques et d'autres plus alternatifs. Ouais. Mais toi, pendant l'année, depuis 2008, de réalisation de ton premier court-métrage, Minotaur Minotaur Mindfourer, la famille Bruno Renoir. j'aime bien ce titre, mais c'était... c'était à la FEMIS, ça. C'était moi, j'avais jamais fait de documentaire avant. De toute façon, j'avais 20 ans hein, en 2008, mais non, 22. Et c'était le premier documentaire que, c'était en deuxième année. Il fallait faire un documentaire. Moi, j'en ai jamais fait, et j'avais voulu faire un film sur d'après des écrits de Céline. J'aimais beaucoup Céline. Enfin, j'aime toujours, mais. Et c'était un peu un film sous le patronage de Louis-Ferdinand Céline, avec sa vision du monde et comment, dans le monde actuel, on pouvait retrouver des choses qu'il avait écrites. Enfin, bon, là, j'ai résumé assez mal, mais voilà, c'était un peu le premier film que j'avais fait. Et qui était un peu aussi un ressenti de moi, je suis pas parisien, et de mon arrivée à Paris. C'est une ville violente, quand on débarque petite ville de province. Et c'était un peu là-dessus, sur ce sentiment de grande violence qu'il y a, quoi, quand on arrive à Paris. Mais toi, dans ta production ciné, donc tu as, à un moment on fait des cours, mais bon, on a en ligne de mire quand même l'idée de faire un long métrage. Ou c'est quand même le projet, c'est quand même l'idée. Je sais pas. Enfin, par exemple, quand j'ai commencé à écrire Bruno Rédal, je savais que ce serait pas un court métrage d'un quart d'heure, mais je savais pas si ce serait un moyen métrage ou un long. Enfin, vraiment, j'ai commencé en me disant. Peut-être qu'il fera 45 minutes, peut-être que je ne savais pas trop. Ouais. Et j'ai jamais trop eu sans parler de hiérarchiser, mais j'ai toujours considéré des petits films qu'on fait de 7 minutes aussi importants que des longs de 2 heures. Au niveau de la préparation, de la mise en place, c'est quand même. C'est différent, c'est sûr. Différent, ouais. Mais non, enfin moi, voilà. Et avant Bruno Rédal, donc on considère que c'est mon premier long métrage parce que. Parce que c'est le premier qui est sorti en salle, qui a eu une distribution et tout ça. Mais il y a eu Le Gouffre, dont on a beaucoup parlé. Mais qui était un moyen métrage. Mais qui, déjà faisait 50 minutes. Et pareil, quand j'avais écrit, je ne savais pas s'il ferait 45 minutes, 1h15. Ouais. Donc on a eu des financements de court-métrage, mais on aurait très bien pu faire un film plus long. Et le premier montage du Gouffre faisait 1h15, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, ça aurait pu être mon premier long. Après, j'ai coupé plus de 20 minutes pour que maintenant il fait 50 minutes, un truc comme ça. Mais non, qui avait été primé, prix Jean Vigo. Qui avait le prix Jean Vigo. Et voilà. C'est un accélérateur, ça, d'avoir ces. Ouais. Le Gouffre sur le projet d'après, j'imagine. Le Gouffre, en fait, avait fait assez peu de festivals, vu que c'était un film de 52 minutes, donc il y a peu de festivals qui prennent. Résume le Gouffre, c'est un film. Le film, même si tu n'aimes pas le faire. Non, c'était un film plus fantastique. C'était sur une journée en novembre en Bretagne. Une gardienne de camping, un camping du coup déserté, vu que c'est la mort de saison, se retrouve avec d'autres villageois à rechercher une petite fille qui a disparu dans un mystérieux souterrain. Et elle va se rendre dans le souterrain pour essayer de retrouver cette petite. Et voilà. Et c'est un peu ça se passe sur une journée. C'est la journée de fermeture du camping et des adieux qu'elle doit faire aux gens qu'elle a côtoyés. Pendant quelques mois, et voilà, et c'était un peu un film un peu qui lorgnait vers le fantastique. Parce que là, quand tu veux les films dont tu me parles, même les premiers films, les premières images, les films qui t'ont plu cette année en salle,
Tu me parles de Cruchement, tu me parles de Vortex. Là, il y a quand même une tonalité où il y a. Est-ce que tu pourrais définir comme ça une sorte de style ou de goût pour voilà des certains sujets ou ben, ce sont pas des comédies quoi. J'adore les comédies. Enfin, hein, c'est juste bon cette année j'en ai pas vu beaucoup, mais. Et je sais pas, et j'aimerais bien en faire. Enfin, là, typiquement, sur les projets que j'ai en cours, il y a une comédie musicale. Pas comédie, mais peut-être un drame musical. Mais il y a de la comédie. Enfin, et dans ce que j'ai fait, c'est pas non plus des grandes comédies. Des fois, il y a des trucs que ça fait rire que moi, mais il y a de la comédie. Enfin, c'est un genre que j'aime beaucoup. Un de mes films préférés français de ces 20 dernières années, c'est Les Beaux Gosses. Je trouve que c'est un très grand film, et un film qui est extrêmement drôle. Quoi. Je l'ai revu 5-6 fois. À chaque fois, je ris plus que la fois d'avant. C'est rare, une comédie qui s'épuise pas. Quand même. Tout à fait, qui est très bien écrite. Et puis qui. Et il y en a beaucoup. Non, j'ai pas de. Enfin, faut pas forcément qu'il y ait des meurtres ou des morts ou des drames pour que ça me plaise. Hein. Enfin, mais dans ce que je fais, malgré tout, il y a peut-être une sorte de tendance à aller vers des choses un peu plus sombres, en effet. Le projet Bruno Rédal. Alors, on y arrive. Et comment. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que là, en même temps que le DVD, Capricci a eu la très bonne idée de sortir. L'affaire Bruno Rédal, donc qui est une sorte de rapport médico-légal, c'est ça, ouais. du médecin. Donc on a les commentaires du médecin, et puis ça alterne avec, parce que pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ne l'ont pas vu, la spécificité de Bruno Rédal, donc c'est qu'il y a eu une confession écrite, il y a un vrai texte, il y a une base écrite de ce même Bruno Rédal, et qui est très riche, qui t'a servi, qui a été une matière très riche pour toi au niveau de l'écriture du texte, et pour les médecins aussi, pour comprendre la complexité, pour essayer de comprendre la complexité de cet étrange personnage. Donc toi, quelle est ta première rencontre avec quel texte déjà, et comment ça te vient un peu cette... Le tout premier texte, c'était pas celui-ci, mais quasiment le tout premier texte, c'était... dans Serial Killers, le livre de Stéphane Bourgoin sur les tueurs en série, il évoquait en préambule le cas de Bruno Rédal sur quelques pages, et en disant voilà, donc un enfant dans le Cantal en 1905 qui n'a tué qu'une seule fois, mais qui avait beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve chez d'autres tueurs en série. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de commencer à écrire un projet de fiction sur un tueur en série que j'inventais. Et du coup, de voir que dans le Cantal, en 1905, il y avait ce petit gamin qui... voilà, sur 2-3 pages, Stéphane Bourgoin mettait déjà quelques citations du texte des Confessions de Bruno. Donc déjà, je voyais là un style assez dingue. Et de savoir que c'était un petit qui voulait être prêtre dans cette région un peu reculée, à cette époque... plutôt inhabituel pour les films de tueurs en série. Le fait que, voilà, déjà le paradoxe, c'est un tueur en série qui n'a tué qu'une seule fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, les tueurs en série ne se rendent pas après leur premier crime, ils continuent. Oui, parce que la spécificité de Bruno Rédal, c'est qu'il tue, il décapite un jeune berger, paysan de 12 ans, 12-13 ans, et qui va se rendre tout de suite à la police et qui va dire j'ai tué, j'ai décapité, voilà. Et du coup, en fait, voilà, quand je découvre ça, je me dis, bon, en fait, cette histoire, a priori, elle est 1000 fois plus forte que ce que je pourrais imaginer, et puis elle est vraie, et ce que le petit Bruno Rédal a l'air d'avoir écrit, ça a l'air fascinant. Donc là, je fais des recherches, et très vite, je tombe sur ce rapport qui a été ensuite édité, mais qu'on trouve, je l'ai trouvé vraiment, je pensais qu'il me faudrait des années de fouiller dans les archives, et en fait... Il était en PDF numérisé sur Internet. Vraiment, j'ai trouvé en 3 secondes. Quoi. Donc, j'ai lu ça dans la foulée. Et là, j'ai commencé à écrire une première version du scénario que j'ai ensuite mis de côté pendant plusieurs années parce que je me sentais peut-être pas assez encore assez mûr pour aborder le film. J'avais pas encore trouvé l'approche cinématographique, peut-être idoine. Et puis voilà, je voulais faire d'autres films entre-temps. Et quand je l'ai repris, bah, ça m'a servi quand même énormément de base, ce texte. Quoi. Parce qu'en effet, il y a une sorte de best-of des confessions de Bruno. Parce que Bruno écrit beaucoup plus que ce qui a été retenu par les médecins là. Mais vraiment, ils ont fait un très très bon travail de sélection parmi les mémoires de Bruno. Et leurs commentaires à eux nourrissaient aussi pour moi le projet. Parce qu'il y a des choses que Bruno n'a pas écrites, que eux pouvaient dire. Donc ça a été pour moi un peu
J'ai quelque part fait une sorte de travail d'adaptation de ce texte et des mémoires de Bruno, quoi, comme un travail d'adaptation littéraire. Quoi. Non, parce que dès qu'on rentre dans le film, alors il y a déjà beaucoup, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la première scène du film, on voit le meurtre. Donc ça ne sera pas un film. Si, ça sera un policier, mais pas. On sait qu'il y a le meurtrier, quoi, déjà d'entrée. Et la scène la plus horrible, on peut se dire que voilà, elle est déjà évacuée. Quelque part. Donc le film va être une autre affaire, on va chercher pas le comment, mais peut-être le pourquoi. On va sonder un peu l'âme de ce. Donc ça, c'est assez. Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant déjà comme entrée dans le film. Et puis se replonger à cette époque-là aussi. Donc c'est le médecin Alexandre Lacassagne, mais c'est toute cette époque-là aussi où on essaie d'étudier. Qu'est-ce qu'un criminel? Il y a presque quelque chose. C'est la naissance de la criminologie, je crois. Ça me rappelle mes cours de droit là, mais par la forme des visages, l'écartement des yeux. On se disait, lui est plutôt criminel ou plutôt. Il y a eu quand même toute cette sorte de scientisme là par rapport aux sciences criminelles. Donc là, toi, quand tu rentres dans ton film, ta porte d'entrée dans le film, c'est quand même ce ton-là ou cette voix-là, cette voix de comment est-ce que tu. Ça, je me rappelle, à l'origine, je voulais que ce soit beaucoup plus poussé. Ce rapport avec les médecins et ce côté anthropologie criminelle avec justement la phrénologie, voilà, mesurer les parties du corps pour essayer de déterminer des caractéristiques mentales et morales. On a tourné même des scènes comme ça et qu'on a évacuées ensuite au montage. Et il y avait toute. Ça m'intéressait et c'est vraiment au montage qu'on a beaucoup éliminé de choses là-dessus. Parce que ça détournait, je trouvais, un peu l'attention. Enfin, pour moi, le cœur du projet, c'était Bruno Rédal. Et dès que les médecins prenaient trop de place, ça nous mettait un peu en distance avec eux, je trouvais. Parce que typiquement, quand on les voyait mesurer le corps et commenter la psyché du personnage en fonction de l'écartement de ses oreilles et tout, d'un coup, nous, ça nous, quelque part, c'est pas que ça nous rassure, mais on se met à juger les médecins. Ou à avoir une distance temporaire, distance avec eux, avec cette époque un peu trop grande. Alors je voulais que effacer un peu ça, quoi, que les médecins soient un peu le relais entre le spectateur, entre nous et Bruno, que le film se situe quelque part entre les deux, quoi, entre Bruno et les médecins. Parce que la voix est à quelle personne? Parce qu'il y a la voix off qui est celle du personnage de Bruno. Mais il y a aussi les moments où les médecins sont là. Et c'est vrai que nous, spectateurs, c'était quoi ce choix ou ce non-choix? Tu y as répondu en partie, mais il y avait quand même une ligne de se dire. En fait, l'idée, parce que la première voix off. Qui est le narrateur, film, quoi. Ouais, tout début, la première voix off, le premier texte, c'est celui de Lacassagne qui explique voici Bruno. Et parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'était la photo de Bruno, elle existe, du vrai Bruno, nu dans cette salle d'examen. Et il y avait cette image. D'enfant de 17 ans, mais qu'en paraît 13 ou 14, complètement, il fait 1m60, il est chétif, il est extrêmement banal, surtout, il n'a pas du tout, entre guillemets, la tête de l'emploi, c'est pas du tout une tête de petit gamin fou. Et du coup, il y avait quelque chose entre cette image, cette photo du vrai Bruno, et ce qu'il a écrit, et l'acte qu'il a commis, et ce que les médecins disaient de lui, qui. Enfin, ses confessions, il se met à nu, il raconte tout sans filtre. Les médecins enquêtent autour de sa famille, de ses entourages, donc il y a énormément de données et toute cette limpidité des textes, toute cette clarté, confrontée à cette image, ça embrouille en fait. Il y avait quelque chose de très étonnant à mettre tout à nu comme ça, en fait, tout s'obscurcit un petit peu. Et à évacuer la folie d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Lui, il se réclame comme quelqu'un. De saint d'esprit, mais de pas fou, quoi. Voilà. Et moi, du coup, ce que je voulais, c'était au début qu'on ait cette idée de. On a un personnage qui est assez impénétrable, même dans les premières scènes, on joue sur des hauteurs de caméra, sur un regard fuyant, sur une sorte de difficulté à avoir accès à lui, même s'il est nu, même si on l'observe, même si on le commente et tout ça. Et que petit à petit, lui-même se dévoile et que le regard des médecins évolue et que, voilà, et comme ça, on enlève les couches de l'oignon, quoi. Et puis, à un moment, est-ce qu'on va atteindre une vérité ou pas, ou est-ce qu'on va continuer
à retirer ses couches. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, au début du film, je tenais à ce qu'il y ait cette. Qui est aussi un peu ma première impression D'opacité, quoi. D'opacité, d'extériorité, de sujet d'étude quelque part. Mais c'est très court, hein, ça dure 7-8 minutes dans le film, et ensuite, c'est Bruno qui prend le film en main. Et qui et ensuite on sera de son point de vue quasiment tout du long. Quoi. Mais alors ouais, mais c'est ça qui est parce que nous en tant que spectateurs en permanence, ben moi c'est l'attitude que j'ai eue, mais on est à la recherche d'explications de pourquoi. Donc alors il va y avoir la violence sociale, ah oui d'accord, la frustration sexuelle, ah oui, on va essayer de chercher à chaque fois des pour nous c'est pas très, ben, c'est enivrant et pas très agréable d'épouser ce point de vue-là, parce qu'on sait dès le début du film ce qu'il a fait. Donc il y a quelque chose quand même du domaine de la morale ou du voilà notre surmoi qui travaille un peu quand même, mais aucune réponse n'est satisfaisante. C'est-à-dire qu'on arrive pas à se dire il y a pas de facteur déterminant. On est face à un tableau comme ça qui se construit, qui s'enrichit. Mais on n'a pas de c'était un peu le projet ou c'était comment que qu'est-ce que c'était Le projet, c'était de pas donner de réponse trop facile, trop réductrice, et malgré tout de pas cacher que c'est quand même c'est déterminisme et c'est détermination et tout ce qu'il a entouré, tout ce qu'il a vécu, subi de choses traumatisantes ou marquantes, et que ce soit pas non plus une sorte d'énigme totale, parce que quand même. Quand on déroule entre son milieu familial, le viol qu'il subit, des choses violentes qu'il a vues, son déclassement social, et tout. Il y a quand même beaucoup de choses qui, mis bout à bout, n'expliquent pas tout, mais quand même n'opacifient pas non plus complètement le personnage, qui n'est pas juste un joyau brut qu'on a beau tourner autour, on n'apprendra rien. Je pense qu'on apprend quand même énormément de choses sur lui, et sauf que entre ce qu'il a en lui, ses pensées, et puis le passage à l'acte, déjà, là, il y a quand même une sorte d'abîme à franchir. Ouais, et puis il y a un déplacement, surtout, qui est intéressant, entre la personne qui fantasme, qui sublime, et la personne qui... quelque chose de la pulsion qui vient à un moment qui est assez, quelque part, un peu inattendu, quoi. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu l'énigme pour moi, peut-être que d'autres ne l'auront pas, mais quand je disais les textes, les mémoires de Bruno et tout, c'est que malgré tout, c'est pour lui, il y a une sorte de très grande évidence de tout, c'est je suis né comme ça. Il y a une sorte de... tout est inéluctable, c'est aussi pour ça que le film commence par le meurtre. Pour Bruno, il n'essaie pas d'accabler les autres, de reprocher à qui que ce soit ce qu'il est, ce qu'il a fait, c'est je suis né avec... Enfin, je ne suis pas né avec, mais à un moment, très jeune, à l'âge de 5-6 ans, j'ai eu ces pulsions meurtrières. J'ai essayé de me dépatouiller avec, quoi. En gros, c'est ça. Et le film, pour moi, épousait ça. C'est ça qui m'intéressait, c'était comment lutter contre soi-même, contre un destin tout tracé, contre des pulsions d'origine plutôt inconnue. Et sans doute que... ça se trouve, dans sa petite enfance, il a oublié, il y a eu des vraies raisons qui pourraient expliquer l'origine de ses pulsions. Je pense qu'il y a des choses liées à sa mère, à ses parents, qui, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine et de la psychanalyse, on pourrait déterminer des choses. Mais pour lui, lui-même avait un regard très analytique sur lui-même, mais aussi très... une sorte de fatalisme une sorte de fatalisme où c'est comme ça quoi. Mais on le sent bien, on sent bien qu'en même temps la question de l'homosexualité c'était pas une question parce que c'est le poids de l'Église et voilà, la question du suicide c'est pas une question, c'est-à-dire qu'il est cerné un peu par, c'est un peu une sorte de parcours sans issue qui va le mener à voilà quelque chose qui est presque un peu programmatique quoi dans la façon de se raconter. Peut-être qu'après, il n'a peut-être pas vécu comme ça, mais dans la façon de se raconter, c'est une sorte d'évidence, quoi. C'est un déroulé comme ça. Je n'ai pas pu faire autrement, dans la souffrance, dans tout ça. Et même quand il passe en effet, l'Église lui disait que la masturbation était un péché presque pire que de tuer quelqu'un, que ça évacuait beaucoup de questions, comme peut-être l'homosexualité,
potentiel de Bruno, mais je suis même pas sûr. Et puis le suicide, voilà, il y a un péché pire que. Enfin bref. Donc il y a comme ça une sorte de hiérarchie des péchés. Mais dans tous les cas, quoi que tu fasses, t'es coupable et t'es un pécheur. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer sans pointer du doigt, sans faire un pamphlet contre le catholicisme. Mais je pense qu'en sous-main, quand même, il y a quelque chose où on sent qu'il y a toute une atmosphère religieuse qui n'a clairement pas contribué au bien-être de ce Bruno, ni celle de son époque, d'autres personnes. Et plus tard, quoi. Mais sans non plus. Et moi, ce que je trouvais bien et beau et étonnant, c'est que Bruno jamais n'accable. Il pourrait très bien, une fois son crime commis, une fois en prison, dire oui, bon, cette religion m'a inculqué ça, c'est à cause d'elle, et reporter là. Non, pas du tout. Et jusqu'au bout, en prison, c'est pas forcément dans le film, mais il continue à prier, à se confesser. Comme si, et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un gamin très intelligent et des fois très bête, enfin pas bête, j'ai pas envie de le juger, mais très innocent quelque part. Enfin, c'est très naïf en fait. C'est plus de la naïveté que de la bêtise. Ouais. Et on le voit des fois dans des dialogues qu'il a avec les médecins où clairement, des fois, c'est un jeune homme très brillant et des fois, voilà, juste. Tellement fabriqué par son éducation et son environnement. Oui, c'est presque au niveau du développement, quoi. Du développement affectif. Oula. Et en même temps, je pense que c'est un gamin qui avait aussi besoin, peut-être à un moment, vu ce qu'il avait au fond de lui et sans arrêt, de se dire que le bien existe, le mal, qu'il y a un paradis, qu'il y a un système comme ça qui peut mettre un peu d'ordre là-dedans, quoi. S'il y a des questions, tout le monde a vu le film ou pas? Oui, non, pas tous, oui, la majorité. Merci. D'abord, bravo pour le film. Merci. Que je trouve vraiment très très réussi. Parce que surtout que c'est pas un sujet facile de parler d'un crime comme celui-ci. J'ai plusieurs questions, enfin, je ne sais pas par quoi commencer, mais je voulais faire un peu un parallèle avec un autre crime, par exemple, parce que dans votre film, ce qui est bien, c'est que vous offrez des pistes, mais vous ne donnez pas de réponse, en fait, et c'est ça qui est intelligent et intéressant. Et je pensais notamment aussi à l'affaire des sœurs Papin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, le film de Jean-Pierre Denis. Non, je n'ai pas vu. J'ai vu la cérémonie il y a très peu de temps. Alors oui, mais en fait, la cérémonie, on dit que c'est inspiré de la sorte. C'est une adaptation du roman de Ralph Trandell, qui n'est pas forcément. Enfin, c'est une vague adaptation du crime des sœurs Papin. Bref, je voulais parler du film en comparaison avec. C'était Denis, c'est ça, Jean-François Denis, je crois. Jean-Pierre Denis. Ouais. Où dans la deuxième partie justement il y a cette espèce de parallèle d'âpreté en fait je trouve dans la mise en scène où on voit les sœurs commettre ce crime qui est absolument atroce, c'est-à-dire qu'elles tuent leur patronne à coups de pichet en étain et c'est d'une extrême violence et d'où ma question, je voulais savoir comment on pouvait faire, quels étaient les choix de mise en scène parce que j'imagine que filmer quelque chose d'aussi violent c'est beaucoup de questionnements et aussi de savoir comment on le montre sans tomber dans le sordide ou enfin je sais pas enfin c'est bon, j'imagine que c'est très très compliqué et je me souviens à l'époque d'un technicien qui m'avait dit quand ils avaient tourné la scène du meurtre que ça avait été très 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 dur quoi et voilà et, c'était ma question ça, déjà quels sont les choix de mise en scène enfin et puis j'avais un autre truc mais je sais plus. Voilà. Déjà, la première question, moi, c'était est-ce que je montre cette scène ou pas avant de se poser des questions plus de comment elle sera découpée, filmée. Et alors, je sais, tout ça est un peu vieux, mais à un moment, je crois que je m'étais quand même dit que soit je représentais régulièrement dans le film les fantasmes meurtriers de Bruno, et auquel cas, quand le passage à l'acte a lieu, il pouvait être ellipsé quelque part ou ne pas être montré si frontalement ou l'inverse. Est-ce qu'on reste dans une sorte de projection mentale? Il y a sa voix qui raconte ses fantasmes mais on les voit pas à l'image, on voit que lui, les paysages, ce qui l'entoure. Et auquel cas, à un moment, faut l'image, le film prenne en main et quelque part, donne une image à ses fantasmes qu'il a depuis 11 ans et qu'on se dise ok ce qui le fait jouir et ce qui l'excite depuis 11 ans c'est ses plans, cette boucherie infâme et d'un coup
je m'étais dit que ça, c'était plus intéressant parce que un de mes projets, et pour moi, c'était de créer une sorte d'empathie pour le personnage que moi j'ai ressenti. Je sais que certains ne l'ont pas, mais c'était en tout cas mon projet cinématographique, on va dire. Et je m'étais dit, si on veut avoir de l'empathie pour lui, on peut pas montrer régulièrement ses fantasmes meurtriers. Je pense que d'un coup, là, il serait trop sujet d'étude, quoi. Si moi je vois quelqu'un qui se masturbe et en voix off il dit j'imagine tuer quelqu'un, bon, je peux me projeter en lui quelque part. Si j'intercale dans ces scènes de masturbation des images d'ascenseurs en sang à la Shining, je sais pas, des trucs extrêmement violents, là je suis genre ok, bon, il y a quand même un pont sérieux entre toi et moi. Alors que, donc je m'étais dit, on va pas montrer des fantasmes, mais à un moment, voilà, faut essayer de se rendre compte a posteriori de tout ce qu'il avait en tête depuis toujours et contre quoi il a lutté, et qu'est-ce que était pour lui le fantasme ultime, voilà, c'est cette décapitation. Donc voilà, il y avait ça. Et puis je m'étais dit, voilà, vu que je crée une empathie pour quand même un enfant qui décapite un enfant de 12 ans, à un moment, ça aurait été extrêmement malhonnête, je trouve, de créer une empathie et de d'ellipser complètement le meurtre. Donc je me suis dit, voilà, on va le montrer. Parce qu'il y a des films, je trouve, qui ont raison et qui le font bien d'ellipser des scènes de crime ou des images qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il y en a d'autres, je trouve que c'est un peu malhonnête. Et j'ai fois parlé de... Ça m'énerve parce que j'aime beaucoup Brissot, mais il y a un film de lui, Un jeu brutal, où on suit Bruno Kremer qui tue des enfants. Et on a un peu de sympathie pour Kremer. Dès qu'il tue les enfants, c'est souvent filmé un gros plan d'une main qui s'en va, un ballon qui roule. Enfin, c'est le côté un peu Fritz Lang aussi. Alors, je sais pas si c'est kitsch, mais c'est très pudique. Voilà, c'est sans doute parce que pour lui, il y a une morale de mise en scène. On peut pas tout filmer, ce que je peux comprendre. Mais ce que je trouvais dans son film un peu facile et un peu lâche, parce que d'un coup, Bruno Kremer tue des gamins, mais ça nous fait un peu rien, quoi, voilà. Et je trouvais ça un peu facile. Bon, là je dérive. Et du coup, sur la mise en scène, je me suis dit, à partir du moment où on va montrer cette scène, eh ben, faut qu'elle soit au même niveau que le reste. Faut que cette scène soit filmée comme les scènes de repas en famille, que les scènes au séminaire. Et je me suis pas dit d'un coup, on va faire de la caméra épaule, les plans un peu flous, parce que c'est trop. Ben non, et quand on regarde la scène de meurtre, elle est en termes rythmiques, de focal, de beaucoup de choses, un peu dans la continuité du reste du film, quoi. Donc voilà, et ensuite, voilà, il y a des questions de typiquement, pourquoi il y a un gros plan sur. À un moment, on voit vraiment la tête en gros plan qui se fait décapiter, quoi. Et ça, typiquement, c'était pour répondre aussi au premier plan du film qui est on est presque du point de vue du coup. Ouais, c'est un peu le contre-champ du début. Le début commence sur. Voilà, l'énigme, c'est pas qui a tué et comment, c'est pourquoi. Donc le début, c'est le sourire de Dimitri, enfin de Bruno Ridal, qui est en train de tuer un enfant. Et c'est ça, c'est pourquoi il sourit, c'est quoi, c'est ça, c'est l'énigme. Et qu'est-ce qui le fait sourire, jouir comme ça? Et à un moment, 1h20 après, on a le contre-champ et c'est ce plan de décapitation. Et du coup, voilà. Je trouve que le plan de, justement, alors déjà ce premier plan, moi, cette ouverture de film, je la trouve assez très, très magistrale et très, encore une fois, elle propose vraiment toute l'énigme. C'est-à-dire, pour moi, je te l'ai dit, là, mais je vois vraiment le film comme une sorte d'éducation sentimentale. C'est-à-dire, comment il nous explique son parcours dans le désir, quoi, dans un désir meurtrier. Mais c'est vraiment les deux, évidemment, vont de pair. Mais dans le. Après la décapitation, ce que je trouve juste, c'est qu'il a un moment d'effroi. C'est-à-dire qu'il regarde cette tête et on pourrait être à distance aussi de voir une tête, c'est quelque part au-delà du supportable, mais grâce à lui, grâce à son effroi à lui, ça nous permet de ne pas le lâcher, je trouve, d'être dans quelque chose où, en fait, il est double, quoi, il est schizo, c'est-à-dire qu'il a eu du plaisir et en même temps, il se rend compte de l'atrocité de ce qu'il vient de faire et il est les deux en même temps. Et ça, je trouve que ça nous permet de rester avec le personnage aussi et de traverser l'horreur.
Et c'est aussi, et du coup, ça me fait penser qu'une des choses qui m'a fait dire je peux peut-être filmer cette scène, ça a mis du temps quand même avant que je me dise bon, on va quand même filmer un enfant de 12 ans se faire décapiter, enfin, c'est au couteau. Et une des choses, c'est que c'est un énorme ratage en fait. Si ça avait été pour Bruno un. Voilà, la concrétisation de ses fantasmes, mais dans une sorte de grande euphorie, de grande joie, et puis de jouissance extrême, j'aurais eu du mal à filmer ça, et peut-être Dimitri aussi à le jouer. Mais le fait que ce soit vraiment aussi, voilà, le réel est une déception absolue par rapport à ce qu'il fantasmait. Et là, voilà, du coup, la scène raconte aussi beaucoup d'autres choses que juste le meurtre de cet enfant. Et aussi, cette scène concentre en elle beaucoup de choses qu'on a déjà vues, on retrouve. Le viol qu'il a subi, on retrouve le cochon, on retrouve des choses comme ça, comme si c'était aussi un peu une pièce de théâtre, quoi. Enfin, comme s'il la ruminait dans sa tête depuis des années et des années, et que d'un coup, dedans, elle cristallisait en fait tout ce qu'il avait vécu et contenu et macéré au fond de lui, et que d'un coup, ça explosait. Quoi. Non, mais c'est intéressant, ces scènes, et même, je sais pas où je disais ça, mais c'est... Quand on voit un film, il y a beaucoup de scènes qu'on imagine, qui ne sont pas dans le film, qui sont, on rajoute des images. Notre cerveau rajoute des images. Je pense à la scène de quand le cochon se fait égorger, où l'enfant ne supporte pas de voir cette scène. Mais nous, je ne sais pas si on a tous vu ces scènes, mais on l'a tous imaginé. Puis en plus avec le son. Et c'est vrai, comment la décapitation, on recolle toutes ces images, même qui ne faisaient pas partie du film, mais qui ont été suggérées ou qui étaient proposées. Et oui, tout à fait, ouais. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien... Ouais. Bravo, moi j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je voulais, moi, savoir... ce que j'ai trouvé moi assez formidable, c'est que moi j'étais en totale empathie pour ce jeune homme. Donc ça, je trouve ça très réussi. Apparemment, c'est un peu ce que vous vouliez, voilà. Parce que finalement, on se rend compte qu'il est humain avant tout, en fait. Et donc moi, la question que je me posais, c'est comment vous avez fait le choix du comédien, que je trouve vraiment formidable. Voilà, comment ça s'est passé pour le principal du coup, Dimitri. Ouais. Mais Dimitri, non, à l'origine, parce que aussi, quand j'ai dit que j'avais commencé à écrire, que j'avais arrêté pendant plusieurs années, mis de côté le projet, c'était, je ne sais pas si vous connaissez le film « Moi, Pierre Rivière » de René Alliot. Et forcément, j'écrivais, je ne pouvais pas ne faire genre « non, j'y pense pas, forcément ». Ouais, c'était la statue du commandant. Ouais, et c'est un film que... Non, parce qu'en même temps, ça va de soi. Enfin, je veux dire. Et je m'étais dit, bon, première version de scénario, je m'étais dit, je suis en train de faire, moi, Pierre Rivière 2, ça sert à rien. Et quand j'ai repris, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais sur le moment, c'était ça. Mais malgré tout, bon, c'est un film que j'admire vraiment, hein, très fort. Et sauf un truc, mais et sur le casting, du coup, ce que j'admire dans son film, voilà, c'est notamment le choix de. Tourner avec des non-comédiens de la région du tournage et je m'étais dit on va faire pareil. Donc on a fait un long casting sauvage avec la directrice de casting, casting local. Et on a trouvé la plupart des comédiennes et comédiens comme ça, donc des gens, des paysans, des plombiers, des psys, enfin voilà, il y avait un peu de tout. Ouais, on avait beaucoup de photos des vrais protagonistes et aussi des cartes postales d'époque. On s'en servait beaucoup pour essayer de déterminer. Puis moi, je m'intéressais beaucoup aux voix. Enfin, il y a un truc, je voulais que les voix aient tous un, même si c'est un film assez peu bavard, mais un timbre particulier pour qu'on croit qu'on est en 1900, quoi. Au-delà des visages, il y avait cette chose importante. Et donc pour Bruno, voilà, je voulais une voix aussi un peu très, pas angélique, mais un peu. Je voulais une voix enfantine, quoi, assez innocente, qui puisse nous raconter, c'est pas des horreurs, mais tout ce qu'il dit, sans que ce soit rocailleux, âpre, dur. Je voulais au contraire qu'il y ait un contraste. Donc, je cherchais un physique. Pour à peine certains comédiens, Jean-Luc Vincent ne ressemble pas du tout au vrai La Cassagne, et je m'en fichais, c'était pas important. Et alors que pour Bruno Rédal, je trouvais important d'avoir quelqu'un qui paraisse jeune, qui soit petit, plutôt chétif. Donc, il fallait ça. Fallait une voix particulière et plutôt voilà assez aiguë, innocente. Et je voulais, dans cette idée un peu à la René Alliot, faire un casting de non-comédien. Et lui, au bout de 8 mois, on ne l'avait toujours pas.
on avait le petit Bruno de 6 ans, celui de 12 ans, on attendait d'avoir celui de 18 pour que ça matche un peu, quoi. Et donc pour celui de 18, à un moment, on ne trouvait pas. On avait fait la Dordogne, le Cantal, l'Aveyron, le Lot. Enfin, vraiment, on avait fait énormément. On en a vu, je ne sais pas combien, mais beaucoup, beaucoup. Et on ne trouvait pas. Il y en avait un qu'on avait trouvé, mais il n'était pas assez mature pour le rôle. C'est quand même un rôle exigeant. Et c'est Jean-Luc Vincent, du coup, qui m'a parlé de Dimitri, qui m'a dit qu'il avait vu au théâtre dans une pièce de Jonathan Capdevielle. Et dans cette pièce, Dimitri, qui... il avait déjà 20 ans, mais Jean-Luc croyait qu'il avait 13 ans. Parce que vraiment, Dimitri, quand tu le rencontres la première fois, il fait très très jeune. Et dans cette pièce de Capdevielle, il jouait une bonne sœur, un curé, un enfant qui se fait tuer. Enfin, je ne l'ai pas vu la pièce, mais il jouait, c'était une adaptation de Bernanos. Et il jouait plusieurs rôles comme ça. Il avait cette capacité à se transformer. Et quand j'ai rencontré Dimitri, j'étais extrêmement déçu parce que ça faisait des mois que je cherchais dans des fermes un paysan du Cantal un peu timide comme le personnage un peu renfrogné, et je le rencontre à Paris autour d'un bar. Il était très poli, très et à l'opposé du personnage, très sympa, très jovial, très extraverti. Mais bon, on a fait des essais, et au bout il m'a fallu 3 ou 4 essais quand même, hein, long à chaque fois, pour que je me dise ok, ce sera lui, quoi. On va changer son fusil d'épaule. Ce ne sera pas un paysan du Cantal. Ce sera Dimitri Doré, acteur de théâtre. Mais il lui ressemble vraiment physiquement. Ouais, il a quand même, par rapport aux photos, c'est quand même assez frappant. On avait fait un truc, des photos. Et puis surtout, j'ai découvert cette chose qu'il a... Depuis tout petit, en fait, il m'a montré des vidéos de lui à 6-7 ans où déjà il imite des gens. Enfin, il adore ça, imiter les autres, se transformer. C'est pas un acteur qui... Et il y en a qui peuvent être super, mais qui est juste lui-même. Il aime bien être autre chose que lui-même. Et puis, c'est un gros bosseur. Donc, pendant plusieurs mois, on a répété. Et lui, il a travaillé. Et il était super, ouais. Il a un accent dans la vraie vie. Non, ça, c'était, pour lui, c'était vraiment le plus dur, c'était l'accent. Parce que ça peut être vite décoratif. Non, ça peut sonner faux, quoi. Ouais, et je sais que des gens le trouvent raté. Ils le trouvent trop... Après, ça a été très, très compliqué. Mais en gros, moi, j'avais plein de vidéos de jeunes de Aveyronnais, quant à Lou et tout. Donc, il a regardé certaines vidéos pour s'imprégner de leur accent. Et on a essayé de faire quelque chose qui puisse marcher. Moi, j'y tenais beaucoup. À un moment, lui, il a eu peur. Il a dit, là, ça devient de la pagnolade, quoi. Et en fait, moi, je trouve que c'est important. Surtout pour au-delà de la musicalité, ce qui est important, c'était quand même par rapport aux classes sociales, quoi. Je trouvais important qu'il y ait une classe supérieure, celle des médecins, des prêtres, qui ait cet accent, et que lui ait une sorte de complexe d'infériorité aussi lié à ça, sans que ce soit dit, mais que je voulais qu'on sente quand même un décalage. Et d'ailleurs, Blondel, c'est Blondel à la base qui était celui qui joue Blondel, le fantasme absolu de Bruno, on va voir. Qui était c'était le finaliste avec Dimitri pour jouer le rôle. Donc Blondel est passé de Bruno Rédal à Blondel. Et c'est ces vidéos à Blondel, qui est un Aveyronnais, que Dimitri étudiait beaucoup pour l'accent, quoi. Voilà. Ah oui, parce qu'il parce que Blondel est quand même Vigier, beaucoup plus beau soleil, que le oui, voilà, beau, c'est ça. Ouais, et, ouais. Sauf que dans la vraie vie, la première fois qu'on l'a vu avec la directrice de casting, il était dans son coin courbé comme ça, il regardait les gens, on avait l'impression qu'il voulait les tuer. Il avait une drôle d'énergie et il avait un truc. J'ai fait beaucoup d'essais avec lui quand même. Et déjà, il était d'accord pour jouer le rôle de Bruno Rédal, ses parents aussi, parce que c'était pas évident. Il avait des problèmes avec la... Tu demandais les autorisations parentales pour... Ah oui. Ouais, il avait 16 ou 17 ans, donc il aurait pu le faire tout seul, mais bon, c'est quand même pas rien ce rôle. Et c'est pas un comédien du tout. Et voilà. Mais en fait, à un moment, je me suis dit que non, il fallait... même si, quand on voit le film, on se dit que c'est un jeu assez monolithique, et en fait, il y a énormément de petites variations. Et Dimitri savait les faire, Tino, ça aurait été, je pense, plus monolithique, justement. Alors, si vous avez des questions, gardez-les, notez-les. Moi, je vous propose qu'on regarde un petit extrait, parce que ça permet de nous remettre un peu dans le film, et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, donner. Peut-être on recontextualise juste un tout petit peu cette scène. C'est celle de... Ouais, c'est le jour du meurtre, et c'est quand Bruno part se balader en forêt avec Blondel, justement. Qui, depuis un an, depuis le séminaire, est un peu son fantasme absolu, la personne qui cristallise toutes ses pulsions, quoi.
Et voilà, et donc ça, c'est des choses que Bruno a écrit dans son journal, cette petite balade qu'il a faite avec Blondel pour aller lire sur un rocher. Et donc, typiquement, là, bah, enfin, on pourra en parler après sur justement la voix off, et d'où ça vient, comment ça a été écrit et tout. Et les mouvements de caméra, je trouve que c'est, y a pas mal de choses à dire. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Tu dois être assassin. Ce qui doit arriver arrivera. Réjouis-toi. Tout à l'heure, tu vas terrasser Blondel. Blondel si beau, si fier, si intelligent, lui que tu aimes tant. Tu le tiendras, tu le posséderas, tu le tueras. Il sera à toi. À toi seul, à toi tout entier. C'est bien? Je sais pas. À vrai dire, je viens tout juste de le commencer. Tu pourras me le prêter quand tu auras terminé? Si ça te tente. Je voyais là son beau visage, ses belles couleurs. Je me voyais lui coupant la tête, puis cacher sa tête et ses habits, afin qu'on ne sache pas si c'était lui ou moi qui était ainsi décapité. C'était le commencement de septembre. Dehors se trouvaient toutes sortes de fruits dont je pouvais me nourrir. Je me voyais voyager vers le midi, vers le pays du beau temps. De là, je parviendrais bien d'une manière ou d'une autre à m'embarquer pour une colonie. J'irai dans une mission africaine où je ferai une confession générale. Et il y en a qui, le crime commis, vont se constituer prisonniers. Sont bêtes ceux-là. Tu n'y penses donc pas? Tu serais bien bête de te faire du mauvais sang un jour de joie comme aujourd'hui. Ce soir, tu auras coupé la tête à Blondel et tu seras libre alors. Tu vivras une nouvelle vie jusqu'au jour où Dieu t'enverra la mort pour te délivrer d'une vie qui n'a été pour toi qu'un long fardeau. Te donner le vrai bonheur dans l'éternité. Le crime était commis. Il ne manquait que d'en jouir. J'ai froid, pas toi? Un peu. Tu veux pas redescendre dans le bois?
Il y a une belle vue ici. Peu importe, on est en train de lire. Oui, c'est vrai. Allons-y. Ah, comme j'étais content. Il allait dans le piège. Alors, quelques mots sur ce plan. Moi, je trouve qu'il concentre pas mal, beaucoup de choses dans la proximité qu'on a avec dans l'empathie qu'on a avec Bruno et sa sublimation. Il y a du religieux, il y a de la sublimation physique, il y a de ses pulsions meurtrières. Tout ça est un peu rassemblé. Et il y a la déception, il y a le déceptif qui est déjà là, qui pointe le bout de son nez. Comment tu l'as construite, tout ce moment-là, avec des plans que je trouve magnifiques? J'essaie de... Non, alors le début, il y a la déambulation, ou ouais. Le dos, tu es derrière. Ça me fait penser beaucoup à Alan Clark ou à Gus Van Sant, ouais, ouais. À les feintes. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est peut-être le moment le plus Gus Van Sant tient. Ouais. Même le travelling circulaire est un peu. Il y a de ça dans Last Days. Mais. Le film est quand même plutôt des plans fixes ou plutôt cadré, ouais. Assez peu de mouvements ou des mouvements assez assez rigides. Là, c'est un peu la première fois, une des premières fois, pas la première, mais où la caméra, voilà, on emploie Steadicam et puis il y a quelque chose d'un peu plus aérien et un peu plus. Et je voulais qu'en fait toute cette séquence emprunte un peu pas au cinéma romantique, mais qu'il y ait quelque chose du romantisme. Alors que ce soit du romantisme allemand, carrément pictural, du 19e avec les tableaux de Friedrich, voilà, vraiment, ouais. Je me suis dit, bon, allez, on va aller à fond. Ouais, ou même le dos, le rocher, le paysage, du matou. Et ouais. En même temps, parce que ça correspond aussi à ce que Bruno écrivait, quoi. Il avait ce rapport-là à la nature, et puis. Et je suis, alors là, c'est pas le vrai rocher où ils sont allés lire, parce que j'ai essayé de voir tous les vrais lieux où il est passé. Mais il y a vraiment ce côté quand même assez majestueux, quoi, une grande vue. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, on va épouser cela. Et puis essayer de construire une séquence de l'ordre du romantisme même amoureux, quoi, dans les échanges de regards, les paroles, les si ça te tente et tout ça. Enfin, qui est quand même un petit trouble comme ça, mais presque que ce soit presque Blondel qui amène ça, comme si oui. Blondel lui ouvrait la porte. Mais chaque fois que Blondel est cadré, de toute façon, c'est une sorte c'est une sorte de drague ou d'offrande comme ça, c'est-à-dire qu'il offre son visage, il offre son regard, il y a quelque chose comme ça où il est la chose désirée, quoi. Je voulais un peu, et ça j'y ai jamais pensé, mais en fait je me rappelle qu'à un moment j'y pensais, pour moi il y avait un côté un peu comme dans Virgin Suicides où c'est Josh Hartnett qui est ultra fantasmé par Kirsten Dunst, et il y a ce côté-là, quoi, l'objet absolu, la perfection. Et je voulais qu'il y ait un petit truc comme ça, quoi. Même des fois, je m'en rappelle, il y a des ralentis, des choses qui peut-être viennent de Virgin Suicides. Et du coup, non, je voulais avoir ça. Mais ce qui m'intéressait, comme un peu tout le temps dans le film, c'est qu'on utilise une grammaire cinématographique ou des plans ou un jeu qui puisse être là-dedans, mais que quand même la voix off nous dise « je voyais ses belles couleurs, son beau visage ». Mais je pensais lui couper la tête. Enfin, faut quand même à chaque fois ne pas, faut toujours briser cette chose et se dire que dans le regard de Bruno, on peut y projeter quelque chose. Et en fait, non, il vient nous rappeler que lui, ce qu'il a en tête, c'est désir meurtrier, quoi. Et ensuite, dans tout le travelling circulaire, c'est la plus longue, c'est un peu le plus gros monologue du film en termes de, avec à la fin en prison quand il parle du petit séminaire de Saint-Flour. Mais là, c'est la plus grosse tartine de texte. Et elle était beaucoup plus longue encore au scénario, donc au montage, on a dû un peu tailler dedans. Mais c'est vraiment, voilà, ce que j'ai souvent dit. Je me suis jamais permis d'inventer quoi que ce soit. Donc tout ce qui est dit en voix off, c'est des extraits de ses mémoires, et le travail était un travail de montage dedans. Mais ça, c'est
Donc voilà, c'est à peu près un tiers de ce qu'il a écrit sur qu'est-ce qu'il avait en tête quand il était sur le rocher avec Blondel. Donc on a gardé ce qui nous semblait le plus intéressant et c'est très varié justement. C'était, par exemple, moi je tenais beaucoup à ce qu'il parle des colonies, des missions africaines. Je trouve que ça raconte aussi quelque chose de la frangue. À la fois, c'est un, voilà, fallait que ce travelling circulaire soit une sorte d'envolée et de respiration parce que lui, il est soulagé. Voilà, il doit être assassin, il l'est maintenant, tout va bien quoi. Comme il dit, il n'y a plus qu'à jouir de ça et que ce soit un peu un moment suspendu quoi. Comme tout ce qu'il dit, bon, quand même, c'est la France qui était colonialiste avec des missions en Afrique, enfin, voilà. Et qui parle, et que dans ce texte, ouais, il parle de mauvais sang, qui est une expression qu'on retrouve dans Une saison en enfer de Rimbaud. Enfin, je trouve que c'est un texte très beau qu'il a écrit à cet endroit-là, sur le rocher. Et du coup, avec le chef FOP, surtout, on s'est dit, mais donc il nous faut là, une minute trente de film. Où on puisse dégager l'écoute, quoi, qu'on puisse entendre ce qui se dit. Et moi, à la base, j'avais une idée beaucoup plus un peu figurée, tout ce voyage en super 8 avec des plans très courts, comme un long voyage, comme certains films de Mekas, de Brakhage et tout. Et c'est le chef op sur place quand on faisait les repérages qui a proposé ce travelling circulaire en disant que pour lui, c'était plus juste et il avait raison, quoi. Alors après, c'est quand on a dit à l'équipe technique, aux machinistes d'installer un travelling, parce qu'on l'a fait, le travelling vraiment sur place, au milieu des rochers, au-dessus du précipice. C'est là que commence le travail. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Puis c'est une journée où il pleuvait, il faisait beau, enfin, c'était une galère sans nom. Mais les comédiens, ils avaient trois lignes de dialogue, ils s'en souvenaient plus. Enfin, bref, le genre de journée où tout, rien ne se passe vraiment bien. Et à la fin, je trouve que c'est une séquence qui tient encore. Enfin, je l'aime bien. Mais... et je trouve que ce que j'aime bien, c'est que c'est une séquence qui a de l'humour. Enfin, elle a un peu de légèreté aussi parce qu'elle est un peu aérienne, mais il y a de l'humour dedans, je trouve. Enfin, il y a des choses qui me font rire, moi. Ah, il allait dans le piège. Enfin, là, il y a vraiment tout un côté un peu, voilà, enfantin, quoi. Oui, trappeur, quoi. Même le truc, on est en train de lire alors que ça fait 2 minutes qu'on est dans sa tête où il pense juste à le tuer. Donc voilà, il y a des trucs que je trouve assez drôles. Bon, je sais que la première fois qu'on voit le film, on trouve pas ça drôle, ni même peut-être la deuxième, mais. Mais voilà, moi c'est. Mais on parle pas. Bah on n'a pas parlé de la musique aussi, parce que tu t'es inspiré énormément d'Olivier Messiaen. C'est important d'en parler parce que c'est aussi une musique qui élève. Alors là, c'est pas du Messiaen par contre. Pas du Messiaen, d'accord, ok. Là, c'est du Bernard Parmigiani. Il y a 3 ou 4 morceaux de Parmigiani dans le film. Et j'avais déjà utilisé du Parmigiani dans 2 de mes films précédents. Enfin, c'est un compositeur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à Gus Van Sant, encore lui, parce que dans Paranoid Park, il utilise un morceau génial de Parmigiani quand le héros du film, après avoir tué accidentellement le contrôleur de train, prend une douche. Et là, il y a un plan sous la douche où il y a une montée comme ça qui est de Parmigiani. Et c'est comme ça que j'ai découvert Parmigiani. J'ai tout écouté. Il y a plein de trucs que j'adore. Il y a 3-4 morceaux dans le film de lui, dont celui-ci. Donc voilà, il est catégorisé dans la musique concrète, on va dire, mais c'est très très varié ce qu'il fait. Surtout, c'est en effet Messiaen. Le reste du film, c'est quand Messiaen, même. Mais Messiaen, tu connaissais pas trop, et pareil, tu t'es tout écouté. Bah, tu fonctionnes comme ça. Il y a quelque chose qui te plaît, et donc tu te fais l'œuvre, quoi. Non, mais c'est toujours bien dans un film d'avoir une sorte de quand même. Moi, je crois que je ne ferai jamais. J'en sais rien en fait. À un compositeur original, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je constitue moi-même mes bandes son quand il y a de la musique dans mes films. Des fois, il n'y en a pas. Mais et du coup, j'écoute énormément de choses. Et quand je trouve quelque chose qui me plaît, je me dis faut que j'écoute tout parce que quand même une bande son homogène, même si c'est des artistes très variés, je trouve que ça donne corps au film. Et là, il y a 5 ou 6 compositeurs différents dans le film, mais j'ai l'impression que j'ai essayé de trouver des tonalités, des choses qui puissent les relier entre eux, quoi. Et du coup, Messiaen, en fait, très vite, quand j'écrivais le scénario, j'ai écouté un morceau où je me suis dit, voilà, ça c'est le thème du film, c'est une évidence. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'écoute tout parce qu'il y aura à piocher. Et du coup, on utilise 6 ou 7 morceaux de Messiaen, je crois. Mais j'en ai écouté. Mais c'est dans le domaine public, Messiaen ? Non, ça coûte cher. Ah oui, d'accord, c'est ça, ce qui me semblait. Non, ce serait bien, mais non. Non, il est décédé au début des années 90, je crois. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça a coûté cher. Ouais.
C'est les musiciens vivants qui étaient beaucoup moins chers. Je les appelais. Certains, c'est des amis ou des connaissances de connaissances. Et eux, ça coûtait 300 euros, 500 euros. Et mes sciences, c'était pas 300 euros, 500 euros. Voilà. Mais le plus cher, c'était pas lui, c'est Ives. Chelsea. Je sais pas si on dit Chelsea, Jacinto Chelsea, enfin, un italien. D'accord. Voilà. Non, musique classique, ça coûte cher. Mais bon. S'il y a des... Vous vous rappelez de votre deuxième question ? On l'a évoqué, c'était... Moi, il y a deux scènes dans le film qui m'ont marqué. C'est d'abord la scène du meurtre, mais avant tout, c'est la scène avec le cochon. En fait, ça, pour moi, elle était encore plus violente que la scène de crime. Bah, c'est marrant, moi, c'est une scène que j'aime pas beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir très réussi. Parce que c'est quelque chose, moi aussi, qui marque beaucoup. Enfin, les cris du cochon, ce genre d'image. J'ai vu beaucoup de films sur la tuerie du cochon. Et vraiment, je trouve ça vraiment assez horrible. Et je trouve dans le film, il y a un truc qui est pas encore complètement réussi. Mais en tout cas, enfin, elle était importante parce que pour Bruno, c'est quand même un élément déclencheur de à partir de là, j'ai des idées de meurtre. Donc, il fallait qu'il y ait que ce soit impactant. Et puis, ça crée une espèce d'empathie. En fait, après, ça va susciter l'empathie quand il va commettre son crime, parce qu'on a toutes ces scènes avant qui nous permettent de nous identifier au personnage et pourquoi il en vient à commettre ce crime. Bah après, pour moi, ça explique pas tout, parce qu'encore une fois, il y a plein de frères et sœurs. À l'époque, tuer un cochon, c'était ce qu'il y a de plus banal au monde. Enfin, ça, on le faisait deux fois l'an. Je sais pas si c'est et... banal, parce que mon père était agriculteur. Donc, en fait, il nous arrivait de tuer le cochon. Et franchement, d'entendre les cris du cochon, non, ouais. C'est quelque chose de... Enfin, moi, qui m'ont marqué ouais. Pour toujours, je pense. Parce que le cri du cochon, ça ressemble vraiment au cri humain, en fait. Et même tout dans le cochon ressemble à l'humain, quoi. Et même le regard, les yeux. Ouais. Mais en fait, je voulais pas dire banal, je voulais dire commun. Enfin, c'était quelque chose d'assez ordinaire, c'est... régulier. Et... Okay. Ouais. Voilà. Parce que je me souviens de ma tante qui avait tué un lapin. Ben, je me suis tombé dans les pommes, hein, franchement. Donc, du coup, moi, je me suis un peu identifié dans cette scène en me disant, waouh, c'est hyper violent. Enfin, j'avais trouvé cette scène. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, et il fallait qu'elle soit dans le film, mais il y avait ce paradoxe, c'est que. Quand je commence à lire les confessions de Bruno, enfin ses mémoires, et qu'il dit, je me rappelle, quand j'ai eu mes premières idées de meurtre, c'était l'hiver 1894, on tuait le cochon. Donc je me dis, bon, bah voilà, il va avoir le sang couler, il va sourire, il va tout. Et non, et il y avait ce premier, enfin, parmi un milliard d'autres, c'est que, non, il avait peur, ça l'effrayait, et il se barrait en courant, quoi. Alors que moi, ce que j'aurais, entre guillemets, pas voulu faire, mais. Un peu bêtement, je me suis dit, bon voilà, un gamin psychopathe, il va être excité par ça et il va vouloir lui-même planter le couteau. Et ben non, il fuit. Et du coup, en effet, là, c'est plus du coup un gamin hypersensible. Et c'est pas juste le petit gamin méchant comme dans un film que je déteste là qui s'appelle We Need to Talk About Kevin, où en gros, là, le gamin, dès qu'il a 4 ans, c'est juste un petit nazi psychopathe qui a aucune empathie. Et pourquoi pas, je veux dire, ça existe, hein, des gens comme ça, mais je trouve pas ça très intéressant. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de... Enfin bon, Winnie, tout le Cobot Kevin, c'est pas que ça le sujet du film, mais bon, bref. Tilda Swinton, quand même. Ouais, c'est ça. Mais le personnage du gamin psychopathe univoque comme ça, dès l'âge de 4 ans, je trouve pas ça très intéressant. Et dans cette scène, ouais, j'aime bien le regard de Alex, le petit Bruno, et de sentir que voilà, il n'y a pas juste un psychopathe sans émotion. Et sans... Ouais, bon, ouais, c'est sur des trucs de. Ouais. Oui, elle est importante, ça c'est sûr. Il y a d'autres questions ou d'autres. Ouais. Merci. Encore bravo pour le film que je trouve remarquable. J'avais une question. Est-ce que le fait que Bruno Rédal, donc, ait vécu en milieu rural, c'est quelque chose qui vous a attiré aussi, consciemment ou inconsciemment, parce que je trouve aussi que le monde rural, que ce soit donc la vie à la campagne, les travaux, etc., je trouve que c'est très bien filmé, ça fait jamais carte postale ou illustration ou je sais pas quoi. Est-ce que donc le fait que ce soit dans le monde rural, ça a aussi fait comme une espèce d'attirance pour vous aussi? Ouais, alors ça clairement, c'est quand je disais par exemple, quand j'ai découvert son existence, le fait que ce soit à cette époque-là, fin 19e, enfin au tournant du siècle, et
et à la campagne et dans le Cantal, et que ce soit un fils de paysan, enfin tout de suite ça, j'ai trouvé ça à la fois plutôt inédit, c'est con, hein, mais en termes de cinéma, de suivre la genèse d'une sorte de tueur en série, mais fils de paysan en 1900 dans le Cantal, ouais, il y a un truc qui change d'une grande ville, je sais pas, un tueur en série à Chicago de nos jours, c'est un peu plus attendu, quoi. Et d'ailleurs, moi, ce que j'écrivais quand j'ai découvert cette histoire, c'était un tueur à Paris, dans le métro, donc quelque chose de très urbain, de très... de plus attendu, quoi. Donc ouais, ça me plaisait. Puis globalement, j'aime pas trop filmer la ville, enfin je préfère filmer la campagne, la nature, et je trouvais ça bien de la filmer quand même, cette nature toujours omniprésente, mais il n'y a pas un seul plan de coupe sur les paysages dans le film, il n'y en a pas un seul. Il fallait toujours qu'elle soit là, mais inscrite dans l'action, dans Bruno, dans ses déplacements, et souvent quand même liée au travail, quoi. Dès l'âge de 6 ans, il garde les vaches, ensuite il répand du fumier, ensuite il fauche le foin, enfin, qui est toujours ce rapport quand même, et c'est pas une nature idyllique où on va lire du kits, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus âpre et un peu plus... ouais, terrestre, terrien, sans non plus que je voulais pas non plus tomber dans une sorte de misérabilisme. Je pense que ça, c'est quelque chose, des fois je regrette, c'est que je pense que sa vie était beaucoup plus dure. Je pense que sa vie était plus glauque et que le film est peut-être un peu doux là-dessus, quoi. Un peu, même sur le rapport à la famille, sur la mère, je pense que c'était beaucoup, beaucoup plus violent, beaucoup plus. Mais c'était présent dans ses écrits, ça. Ouais, pas tant, fait... mais en tout cas, sa mère, le rapport, enfin, sa mère était beaucoup plus violente, ça c'est sûr, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup atténué, surtout au montage, notamment parce que justement, très vite, on pointait le doigt vers elle. C'était, en fait, tout ça, c'est à cause de la vilaine maman, quoi. Et c'était un peu réducteur, et puis il y a peu de personnages féminins dans le film, et si d'un coup le seul qu'on voit un peu, c'est à cause de lui, tout ça, c'était un peu con, parce qu'elle-même, la mère, était très très dure, je pense, mais tout ça vient d'une longue histoire, et il aurait fallu raconter l'histoire de la mère, et on n'avait pas le temps. Donc on sent que c'est pas une mère très aimable et aimante, mais fallait qu'on dose. Préféré qu'on déteste le berger, quoi, le berger violeur, quoi. Bah ouais, peut-être. Je t'ai fait choisir quelques DVD, bah, juste pour en dire quelques mots, mais très rapide, pas sur tous peut-être, mais c'était plutôt un choix en fonction du film. Hein, ouais, j'arrivais pas. Parce que je t'ai dit, tu peux choisir, ouais, des films qui ont été importants pour toi ou en lien avec le film. Mais c'était impossible. J'avais commencé à faire, j'avais jamais fait ça, mon top 50, et j'étais à 80e film, non, je peux pas, quoi. Horrible. Donc, il y avait, Pierre Rivière, ouais, donc, dans le coffret Alio, peut-être. Alors, dis-nous quelques mots. Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Non, pour celles qui ne l'ont pas vu, regardez-le, c'est un film immense. Et juste, voilà ce que je disais, il y a un truc que j'aime pas dans ce film, mais c'est vraiment une seule chose, en fait. C'est après qu'il ait commis son meurtre, Pierre Rivière, donc c'est un film qui aussi fonctionne. Pierre Rivière, en prison, écrit ses mémoires et on revient en flashback dans son passé et il nous raconte sa vie. Avec beaucoup de noms professionnels, comme tu le disais. Avec que des noms professionnels. Je crois. Peut-être quelques acteurs de théâtre, mais bon. Et juste après le meurtre, à un moment, il y a une longue voix off, un long texte où on le voit courir, fuir dans la campagne, il est essoufflé. Et il a fait jouer René Alliot, le comédien, en étant essoufflé, comme si... et ça ne marche pas du tout, je trouve ça très très artificiel. Et c'est un truc, je me suis dit, le film, quitte à ce que ce soit un peu monotone et que certains de la voix, ils sont alors putain, mais un peu plus d'intonation, un peu plus de vie, non, je voulais que ce soit pas plat, mais que la voix soit quand même au présent de l'écriture de la prison et qu'il n'y a pas besoin de la charger d'une émotion outre mesure, quoi. Qu'il y ait quelque chose d'un peu tenu et pas froid, mais un peu neutre, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un très très grand film. Et il a fait des super autres films, René Alliot. Non, pas celui-là, c'est pas bien. Il a filmé Marseille aussi. Ça, je l'ai pas vu encore. C'est dans l'autre coffret, je crois. Ouais. Vieille femme ou la vieille dame indigne, c'est super. Et le matelot 512 aussi, c'est très étonnant. C'est vachement bien. Voilà. Tu avais, alors je ne l'ai pas, si, The Master de Paul Thomas Anderson. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. J'ai pas réussi totalement à faire le lien, mais... C'est qu'il y a assez peu de plans au final dans Red Alert qu'on a pompé à d'autres films. Il y en a peut-être 3 ou 4, dont en fait des plans dans The Master. Et c'est le dernier
entretien que Bruno a avec le médecin à la fin du film, ou juste dans la focale, la hauteur de la caméra, l'échange de regards, j'ai un peu pillé la fin de The Master quand Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman ont leur dernière rencontre, quoi. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup dans The Master, enfin, c'est un film que je trouve immense, mais les scènes juste de dialogue entre les deux personnages, dans la manière de filmer, dans le rythme et tout ça, je trouve ça vraiment magistral. Et du coup, vu qu'il y a quand même beaucoup de. Il y a peut-être 20-30 minutes dans Bruno Reydal que d'entretien, c'était quelque chose que. Et aussi, dans La Reconstitution d'époque, c'est un film The Master quand même qui se passe du coup après la guerre, donc entre 45 et 52, on va dire. Et il y a un truc où on sent pas la reconstitution, et c'est rare, ça, les films d'époque comme ça. Je comprends qu'il y a un héros aussi très maigre, très, très rétif. Ah, peut-être aussi, ouais. Et une des premières fois, on le voit, il se masturbe sur la plage, Joaquin Phoenix, donc ouais, il y a peut-être aussi ça, le rapport à la sexualité masturbe. Bon, mais c'était vraiment, ouais, juste sur. Alors, c'est un peu énigmatique pour moi. Alors, il y a Un homme qui dort de Bernard Cazan et de. Ah oui, ouais. Qui n'est pas du tout édité. Et Georges Perec. Ouais, Georges Perec. Il n'est pas édité, celui-là. Non. Ah ouais, il n'est pas édité depuis très longtemps. Ah, c'est, merde. C'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un très grand film. Non, mais c'était La Complaine du Sentier, de Satya Jitray. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis, il y en a certains, je me suis dit, tiens, pourquoi ? Il y a celui-là et Ougis votre sourire enfoui aussi de Pedro Costa. C'est juste parce qu'en fait, ça, c'était plus avec Ougis. C'est Pedro Costa qui filme les Straub et Huyer, ouais, qui sont en train de faire leur montage, qui sont en train de monter leur film, Sicilia. Et moi, je connais très, très peu le cinéma de Straub et Huyer. Globalement, je ne suis pas très, très client. Enfin, il y en a, si, Une Visite au Louvre, je trouve ça vraiment génialissime. Mais après, je connais assez peu. Mais ce film est un peu le film qui m'a appris le montage, quoi. Ah, d'accord. C'est okay, avec okay. Le monteur du film, Jean-Baptiste Alazard, le monteur de Bruno Reydal. On avait vu ce film ensemble, où j'ai votre sourire enfoui, et ça a été là j'ai découvert c'était quoi le montage, quoi. C'était parce là, que eux ils sont. C'est un degré d'exigence. Voilà. Et en fait je me suis dit et on n'est pas au niveau hein, de ce niveau, mais on essaie quand même enfin voilà que c'est du travail, quoi, et que c'est pas juste bon ces deux plans ça marche, on va foutre un son en dessous ça va coller, mais essayer à l'image près de regarder que tel raccord en fait si on le déplace d'une image ça change tout, quoi, et en fait ce film montre que oui ça change tout, pour ceux qui n'ont pas vu ce film quand même je trouve que c'est un film indispensable, c'est-à-dire que c'est Pedro Costa réalisateur portugais qui filme Jean-Marie Straub et Daniel Huyer, qui sont en train de monter un film, mais qui sont en couple, hein, et qui s'écharpent sur un photogramme, c'est-à-dire sur un pli de coude en disant « Mais non, mais je t'avais dit que là, c'était mieux que... » Et sur les personnages, sur les visages des personnages et ça, c'est incroyable. On se dit « Mais c'est possible d'avoir un tel degré de perfectionnisme, d'exigence, et ça a du sens. » Quand on les entend, mais ça a un sens incroyable. C'est-à-dire qu'on dit, oui, il faudrait que le cinéma soit comme ça. On sait qu'il n'est pas comme ça, mais il faudrait que ça tende vers ça, parce que c'est quand même fou, quoi. Et ils ont raison. On se dit, c'est pas économiquement, c'est pas. Eux, ils arrivaient à le faire, mais c'est incroyable, je trouve. C'est complètement. Et en même temps, c'est très drôle. Enfin, le film n'est pas juste un pensum chiant, tout ça. C'est une super comédie romantique, quelque part, parce qu'ils sont très, très beaux, très drôles. Et puis, c'est une leçon de montage, ouais. Donc vous l'avez mis un peu pour ça. Alors le Satya Jitray, je ne sais même plus pourquoi je l'ai mis. Ouais, parce que j'adore, mais je pense voilà, c'est un petit de 6 ans qui découvre la vie et la mort autour de lui. Et ça, je ne sais pas. C'est ça, mais un rapport comme pas ça. Pas du tout meurtrier. Hein. Ah non, pas du tout. C'est un petit gamin adorable. Mais il y avait voilà, film à hauteur d'enfant. Alors Schizophrénia, film autrichien de Gérald Cargo. Celui-ci, c'est typiquement quand je commençais. À la fois à écrire et à penser à mise en scène, c'était pas forcément fixé dans ma tête sur comment filmer cette histoire, quoi. Et est-ce que ce sera très froid, très lyrique, très fou, très posé, enfin. Et ça, c'est un film, complètement fou, quoi. Où on colle au personnage. Pitch-nous en deux secondes. C'est ce mec qui a l'air très sympathique, qui sort de prison parce qu'il a tué sa mère et une voisine, je crois. Et il sort de prison après 15 ans ou 20 ans de prison. Et dès qu'il sort, et on entend sa voix off tout le long du film, et il dit maintenant, vivement que je tue une autre personne, du coup, et ça se passe en
une après-midi, une nuit, et il va chez des gens là, et puis il tue toute la famille. Et c'est extrêmement, à la fois très drôle des fois, parce qu'il y a une sorte de décalage énorme. Lui, c'est vraiment un psychopathe très 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 loin, quoi. Et des fois, ça va très loin dans le grotesque et l'absurde. Et en même temps, il y a des scènes d'une violence insoutenable, quoi. Donc, c'est un film très dérangeant parce que, pour à peine, c'est dur d'avoir de l'empathie pour lui, oui. Parce qu'il est. Même l'acteur a une tête pour à peine, c'est con, mais de psychopathe, enfin une tête beaucoup plus cliché de psychopathe. Et du coup, non, et en fait, je me suis dit, en fait, je ne peux pas faire avec Bruno Reydal si je veux créer une empathie qui est tout un portrait aussi de la société, de ce qui l'entoure, je ne peux pas faire un film comme ça. Mais c'est un film voilà, où je me suis dit, c'est lentille, mais c'est un film que j'admire énormément, enfin que je trouve extrêmement unique. Enfin voilà, il n'y a jamais eu un film comme ça avant, il n'y en a jamais eu après. Et je l'ai revu il y a peu de temps au cinéma en plus. À la fin de la séance, tout le monde se regarde un peu. Qu'est-ce qu'on a vu, quoi. C'est un film très très étonnant où on colle parce qu'en fait, souvent la caméra dans ce film est harnachée au personnage et tourne autour de lui, mais on est toujours à une distance d'un mètre de lui et on est englué avec lui, quoi. Et des fois, il s'échappe. Il y a des plans de grue où on s'échappe à 40 mètres, mais c'est un peu l'un ou l'autre, quoi. Et voilà. Et moi, en fait, je me suis dit non, il me faut une mise en scène beaucoup plus classique, voire alors pas académique, mais presque un peu scolaire. Quoi. C'est classique. Je me suis dit comme Bruno, en fait, il faut que dans Bruno, quand il écrit avec un très bon français, d'une manière très appliquée, très scolaire. Et en fait, derrière cette plume, il y a autre chose qui boue. Il fallait que la mise en scène soit un peu dans cette idée-là. Bon. Voilà. Juste dernier film, parce que c'est un réalisateur que je connais très mal, James Benning, Landscape Suicide. Parle-nous de ce. Parce qu'on a quelques films de lui et j'ai envie que tu me donnes envie. J'aimerais bien le revoir du coup. Landscape Suicide est assez court, je crois qu'il fait moins d'une heure. Hein. Une heure et demie, ok. Et c'est, dans mon souvenir, c'est deux. Il y a un peu deux films en un. C'est deux portraits de tueurs en série américains. Il y a Ed Gein, je crois, qui est un tueur en série très très célèbre, entre guillemets, aux États-Unis. Et il y a une jeune fille aussi qui a tué sa meilleure amie à l'âge de 15 ans. Et il tourne ça. Enfin, en fait. Je l'ai vu depuis trop longtemps, en fait. Je sais juste qu'il y a un rapport à la confession très troublant, en fait. La moitié des films, c'est ces gens-là, les deux tueurs, mais qui sont interprétés par des acteurs. Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était peut-être les vrais. Ça crée un drôle de trouble très, très bizarre entre le réel et la fiction. Et c'est des longs plans fixes où ils racontent ce qu'ils ont fait et c'est mis en parallèle avec des plans larges, fixes, des lieux où ils ont vécu et où les meurtres ont été commis. Et en gros, c'est un portrait un peu de l'Amérique. Et en gros, ça permet de voir un peu que ces personnages sont un peu des excroissances presque naturelles qui sont nées de... Ils sont ancrés dans un territoire, quoi. Ils sont ancrés dans un territoire, ils sont pas nés de... Ils viennent pas de nulle part. Ils viennent pas de Mars, quoi. Et il y avait peut-être ce côté-là avec Reydal. Enfin, c'est un film... opposé formellement à Reydal, hein, beaucoup plus sec, radical, même expérimental. C'est un film vraiment pareil, assez unique, mais qui voilà, travaille cette idée, contrairement à Schizophrénia, où tu as un personnage un peu brut qui va vivre en temps réel presque quelque chose sans qu'il y ait déterminisme quelconque. Là, il y a quelque chose de l'ordre du portrait de société, quelque chose de plus politique même, du coup. Voilà. Juste avant de finir, les projets, s'il y en a et si tu as envie d'en parler ou pas. C'est encore un peu tôt. Enfin, je m'y mets, mais j'hésite tellement entre deux, trois projets différents que. Que je ne sais pas encore. Bon, bah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Vincent. Merci. On va se retrouver près de la table si ceux qui veulent acheter le DVD et se le faire dédicacer par Vincent, voilà.